Excellent, M. le Vous savez, après une absence de 6 années, l'absence qui m'avait poussé en exil pendant plus de 5 ans, il a fallu attendre une autorisation pour venir dans ma province. Aujourd'hui, que je suis libre d'aller un peu partout, j'ai choisi d'abord de venir dans la ville de Mbujimayi, qui est ma ville natale, et pour rencontrer tous les frères et sœurs qui sont dans cette ville. Mais avant de voir tous les frères et sœurs, je me suis dit qu'il fallait rendre mes civilités à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Ngoyi Kassanzi, avec qui nous avons fait un entretien d'au moins 1 heure, un entretien entre membres d'une famille originaire d'une même province, et nous avons trouvé qu'il faut absolument que nous soyons la main dans la main pour la reconstruction de notre province. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les relations sont redevenues au beau fixe, parce que la dernière fois que vous étiez vu ici, c'était un tout petit peu tendu sur les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas suivre les histoires de la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, on fait des déclarations pour éclabousser l'adversaire, pour que le peuple puisse vous choisir. Ça, c'est pendant la campagne. Après la campagne, on doit en principe redevenir des frères. Mais comme depuis 2011, j'étais parti, il a fallu que je voie mon frère, mon jeune frère, qui est l'autorité de la ville, pour que nous puissions discuter et surtout dissiper des malentendus. Vous savez, des oiseaux, des mauvais augures, des langues de vipères ne sont là que pour chercher à séparer les uns et les autres. Mais l'amitié et l'amour entre nous sont tellement forts qu'aujourd'hui ils seront étonnés de me voir encore avec M. Ngoyi Kassanzi. Qu'est-ce que vous lui avez dit spécialement, des particuliers? Je lui ai dit que le deuxième commandement dans les livres de Moïse, c'est aimez-vous les uns les autres. Nous nous aimons, nous devons continuer à travailler. Vous êtes venu déposer votre dossier de candidature, encore une fois? Je pense que je ne suis pas seulement venu pour déposer des dossiers de candidature, je suis venu pour renouer avec mes compatriotes congolais qui sont de ma famille politique, de ma famille biologique et de ma famille provinciale. C'est ça ce qui est beaucoup plus important dans la vie politique d'un homme. Surtout d'un homme qui est parti en exil pendant 5 ans. C'est que grâce au gouverneur Ngoyi Kassanzi, aujourd'hui, Sarah Balende, c'est une grande équipe à travers l'Afrique. C'est cette tâche-là que les uns et les autres, nous devons faire pour avoir Sarah Balende à Esbantou et d'autres équipes de la province pour que nous soyons honorés un jour avec la Coupe d'Afrique. Bien sûr, je suis encore de l'opposition, du rassemblement. Le rassemblement qui est avec Tchiba Moukala et Bruno Tchibala. Donc je suis l'opposition qui est au gouvernement. Vous comprenez que la casquette n'a pas tellement changé parce que nous sommes de l'opposition, mais dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, nous sommes au gouvernement. Merci beaucoup. Je vous en prie.